Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ You Have Today. Quelle joie de se retrouver en présence de Dieu et dans sa parole qui nous donne la sagesse et l'intelligence et tout genre de bénédictions, surtout en ce mois de décembre. J'adore le mois de décembre, c'est le mois le plus beau de l'année. Tout est magnifique et très décoré, c'est magique. C'est la joie dans les rues, dans les maisons, dans les écoles, dans les boulots. Tout le monde se prépare et se rassure que la fête sera très belle. Le Seigneur nous commande de nous réjouir toujours en pleine espérance. Pendant que nous célébrons la fête de Noël, il est primordial pour nous de savoir la raison de la saison. Pourquoi nous nous réjouissons et pourquoi nous célébrons la fête de Noël? Notre thème de ce décembre, c'est connaître Jésus-Christ, la raison de la saison. Vous avez déjà vu un fou qui trouve un groupe de personnes en joie, en train de dialoguer, de s'amuser, de bavarder et de rire. Il vient se placer au milieu d'eux et rit plus que tout le monde, jusqu'à s'enrouler au sol, sans même savoir de quoi il est question. Bien-aimé, ça, c'est l'attitude du monde entier et de tous ceux qui célèbrent la fête de Noël, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'anniversaire de notre Dieu, sans même savoir de quoi il est question. Ils célèbrent la fête de Noël sans connaître Jésus-Christ, sans l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Quel désastre! Qui est Jésus-Christ? Pourquoi célébrons-nous la fête de Noël? Pourquoi une telle grande réjouissance? Pour bien comprendre, répondre à cette question, nous devons remonter à l'origine de la création, dans la Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme. Il leur donne la domination totale du monde. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dieu est un Dieu de vérité et un Dieu de fidélité. Quand il donne la domination totale du monde à l'homme, il ne peut plus revenir simplement sur sa décision et reprendre le pouvoir du monde à l'homme. Cette domination est perdue par la suite par l'homme dans sa désobéissance à Dieu et du péché, au profit du diable qui maintenant à travers le péché détient toute l'humanité dans la perdition et dans la mort éternelle. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Dieu ne pouvant plus reprendre la domination complète du monde à l'homme en tant que Dieu, maintenant doit naître dans le monde en tant qu'homme pour sauver l'humanité de la perdition éternelle. Nous comprenons donc maintenant pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, doit laisser son trône au ciel et naître dans le monde en tant qu'homme pour sauver le monde du feu éternel et de l'enfer. Bien-aimés, nous avons raison, nous nous réjouissons énormément parce que le Seigneur vient nous délivrer de la mort éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ vient nous sauver, il vient nous restaurer. Le Seigneur Jésus-Christ vient nous guérir, il vient nous affranchir et nous libérer. Le Seigneur Jésus-Christ vient nous apporter la grâce et la bénédiction dans tout ce que nous faisons. Nous avons le salut seulement quand nous l'acceptons. Et quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous passons donc de la mort spirituelle à la vie éternelle. À ce moment,
Le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous, il nous scelle pour l'éternité et nous donne de vivre une vie de réussite, de grâce, d'abondance dans une relation personnelle avec lui. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, je me place devant toi aujourd'hui avec le vif désir de te connaître profondément et de marcher avec toi. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique dans ce monde pour me pardonner et me sauver de mes péchés, de la condamnation éternelle et de l'enfer. Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te confie ma vie tout entière. Sois le seul maître de ma vie. Que la célébration de Noël soit une occasion pour moi de te glorifier, de te louer, de t'exalter, de t'honorer pour tous tes bienfaits et ta miséricorde. Donne-moi la joie, la paix, la grâce et la protection infinie et demeure éternellement avec moi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'existence du Seigneur Jésus-Christ ne commence pas quand il naît dans le monde. Au commencement, Dieu dès l'origine existe avec le Seigneur Jésus-Christ, comme nous lisons dans Jean 1, 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous a créés, comme nous lisons dans Colossiens 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimé, la vérité est là. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ est celui qui nous a tous créés. Il est au-dessus de tout. Il nous a créés pour lui et pour cette raison, il fait tout pour nous sauver. Il nous guide, il nous fortifie, il nous encourage, il nous protège, il nous conduit sur le chemin de la vérité et de la vie. Il nous réconforte et il veille sur nous chaque jour. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 10, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera du pâturage. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Nous devons nous connecter au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'accueillir dans nos cœurs, dans nos vies, car c'est par amour pour nous qu'il naît dans le monde. Son amour pour nous a été si grand qu'il a laissé son trône au ciel pour venir changer et transformer notre vie. Jésus-Christ nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quand nous suivons le Seigneur Jésus-Christ dans l'obéissance
et dans l'humilité, il nous élève. Comme il est dit dans Philippiens, nous vous exhortons, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé son égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme et il s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Réjouissons-nous parce que nous quittons les ténèbres à la lumière. Réjouissons-nous parce que nous quittons l'échec pour la réussite. Réjouissons-nous parce que nous laissons les maladies et que nous guérissons. Réjouissons-nous parce que nous laissons la haine et que nous embrassons l'amour et le pardon. Réjouissons-nous parce que nous échappons à l'enfer pour le paradis. Bien-aimés, s'il avait été possible pour nous de réussir notre vie sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'aurait pas fait ce grand sacrifice de laisser son trône de royauté au paradis pour naître dans un monde de mal et de péché, pour mourir et nous sauver. Nous avons compris le grand sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui a laissé son trône au ciel et qui est venu dans ce monde de destruction pour verser son sang pour nous sauver. Le salut est le don gratuit de Dieu par sa grâce et à travers ce grand sacrifice, il nous donne la vie. Ça, c'est la plus belle nouvelle et la plus bonne nouvelle à célébrer. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés et pardonnés pour tous nos péchés, présents, passés et futurs. Nous n'avons plus de péché, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ et nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Dieu met en nous son Esprit Saint pour nous guider, pour nous réconforter, pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous donner la sagesse et l'intelligence, pour nous donner la victoire dans l'épreuve et en toutes choses. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Le Seigneur nous donne la vie éternelle et personne ne peut nous détourner de lui ou nous arracher de son chemin. Le Seigneur nous dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Pendant que nous célébrons la fête de Noël, adorons et glorifions notre Seigneur Jésus-Christ, demeurons à lui, prenons la résolution d'entretenir une relation personnelle profonde avec lui et il déversera des tonnes de bénédictions sur nous. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir édifiés profondément et inondés par tes paroles sur Transformation Point aujourd'hui avec Salvation of Christ sur Afrique Today. En ces moments de grande célébration et de réjouissance de la fête de Noël, répands la joie dans nos cœurs et ta paix qui surpasse toute intelligence. Donne-nous de saisir la signification véritable de la naissance de Jésus-Christ dans nos vies pour davantage nous accrocher à toi et saisir la grâce abondante que tu places dans nos cœurs et dans nos vies. Fais-nous vivre des moments magiques de Noël qui sont ceux de ta présence majestueuse qui exauce toutes nos prières et qui nous transforme par ton modèle à faire partie de ton salut
et de la grâce vibrante et excellente que tu as pour nous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Laissez le Seigneur répandre sur vous son onction, sa bénédiction et sa protection infinie. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Le Seigneur dit aujourd'hui, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Allez dans son amour, allez dans son assurance, passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ. Merci, soyez abondamment.